Eh bien bonjour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer s'il est possible, oui ou non, de rouler avec les trains en faisant des circuits sur la Terre. Au lieu de passer comme Facepunch le fait avec des tunnels en dessous de la map, comme j'ai fait ici. Ici j'ai fait un circuit en dessous de la map qui fonctionne très bien. Maintenant ma question est... Est-il possible, oui ou non, de faire des circuits comme ça, comme j'ai fait là, et de rouler avec les trains? Et du coup, bah, j'ai mis ça aussi pour faire un peu comme si y avait une route et qu'on passe au-dessus, comme j'ai fait là, voilà. Là, il y a par exemple les voitures passent au-dessus. Est-ce qu'il est possible ou pas? Et du coup, bah, j'ai fait en trois exemples celui-là qui n'a pas le truc, celui-là qui est le même que celui-ci avec les trucs comme ça en dessous. Comme on peut voir ici, voilà. Et du coup, après l'autre question, est-ce qu'on peut joindre ça à des tunnels? Alors, ça, je l'ai déjà testé. Malheureusement, on ne peut pas joindre les circuits comme ça directement à ces tunnels. Le train à la jonction des deux circuits, deux circuits qui sont là en dessous, voilà, celui-là et celui-là, le train s'arrête. Donc, j'ai testé comme ça. Je vais tester comme ça, voir si ça marche. Normalement, ça devrait le faire. Et du coup, j'ai fait pareil avec celui-là. Par contre, le train a disparu. Les trains. Ben ouais, les trains, ils ont disparu. Lui là, il est. Ici, j'ai mis un train, il a disparu. C'est que c'est pas compatible. Et ici, j'ai mis un train, il a disparu aussi. C'est peut-être que c'est pas compatible aussi. Donc à voir. Donc voilà, on pourra pas, je pourrais pas tester de celui-là du coup, puisque le train a disparu tout simplement. Et après, je vais tester ici. Voilà, ici normalement il y a le tunnel. Voir si on peut faire comme ça. J'ai déjà testé avec la jonction de ce circuit-là extérieur au circuit directement de ce tunnel, ça n'a pas fonctionné puisque le train s'arrête. Donc ma question est maintenant, puisque j'ai mis des circuits au-dessus avec un petit sol, voir si il est possible de le joindre à celui-là en faisant un espèce de tunnel pour passer en dessous d'une montagne par exemple. Et du coup, je vais faire arrêter ici. Voilà. Donc je vais tester tout ça avec vous et voir si oui ou non bah, ça fonctionne, en espérant que oui en tout cas. Voilà. Donc on va commencer par celui-là. Commencer par voir s'il passe oui ou non dans la plateforme là-bas. Et si oui, bah on peut faire parfaitement des routes. Je vais me give du carburant. Bah, de toute façon c'est un serveur test, hein. C'est pas un serveur. Où il y a des personnes qui peuvent join. C'est un serveur qui est fait sur mon PC en local. Déjà, j'ai l'impression que le train il est pas bien centré. On va le faire doucement pour éviter d'abîmer le train. Est-ce que il va passer? En espérant que oui. Oh oui! Ah oui! Parfait, il passe. Donc, on va pouvoir faire des petites routes. Là, normalement, il s'arrête. Voilà. Donc, on prend le carburant et on va tester sur les autres trains. On va tester maintenant sur celui-là avec la route. Normalement, il n'y a pas de quoi qui passe pas. Le truc que j'aurais dû tester aussi, c'est le circuit qui sont là-bas avec ceux-là. Voir si ça aurait passé ou pas. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas. Voilà, on va tester. On va mettre un peu plus vite. Ça passe. Et après, il arrive ici, il s'arrête. Voilà. Oh, il fait nuit tout d'un coup. Ah, il y a des bugs à cause du tunnel là-bas que j'ai mis. Et ici, comme il n'y a pas de train, c'est que, à mon avis, ce petit circuit n'est pas du tout compatible. Donc, voilà. Comme j'ai mis dans les tunnels là-bas, j'avais mis un train aussi, c'est pas compatible. Et du coup, à tester celui-là et celui-là là-bas, voir s'il rentre. Je vais commencer par celui-là. Voir si celui-là va rentrer oui ou non dans le grand tunnel. Si ça passe, c'est que on pourra faire des circuits en dessous de la montagne, même avec ce tunnel-là.
C'est juste parfait si ça passe. Par contre, il me semble qu'avec ces petits circuits, il n'y a pas de petites descentes qui descendent en bas. Quoique, peut-être bien. Je sais plus. S'il y a des petits circuits ou pas qui descendent en bas. Donc on va voir. Là, c'est l'entrée du tunnel. Est-ce qu'il passe? Il passe. Après, il y a juste un bug de quand on rentre dans le tunnel. Ah, et en plus, il continue. Ah bah c'est parfait ça. C'est parfait là, qu'il continue. Parce que tout à l'heure, il s'arrêtait. Hein. Là, il s'arrête. On va essayer en arrière, voir s'il va passer. Ah, faut que je l'arrête d'abord. Voilà. On va essayer en arrière, voir si ça passe. Il va y avoir des coups de feu. Ils vont me tirer dessus. Ouais. Du coup, on va voir en arrière s'il va passer ou pas. Oh, c'est parfait ça. Et pourtant, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Hein. Bon, après, c'est que j'avais fait directement la jonction au train. Du coup, bah, là, ça marche, tant mieux. Et là, ça s'arrête. Du coup, on va faire de même pour l'autre train. Par contre, il y aura après des bugs. Dès qu'on rentre dans le tunnel, on va pas voir directement le tunnel. Mais si je fais une entrée propre, qu'on voit l'entrée, je pense que ça pourrait le faire. Ou même en faisant une entrée avec les anciens tunnels, parce que les anciens tunnels, ils vont bien avec les nouveaux. Les circuits, ils collent bien ensemble. Par contre, le train ne roule pas sur les anciens tunnels. Il faudra mettre bah, un circuit par-dessus, comme j'ai fait là. Et là, si ça passe pas, c'est peut-être à cause de l'arbre. Donc on va arracher cet arbre. Il me semble que c'est à cause de l'arbre. On va réessayer. J'espère que ça fonctionne quoi. Pourquoi ça fonctionne pas? Ok. J'ai mal fait le petit circuit. Bon, mais du coup je pourrais pas tester le petit tunnel là. Mais à mon avis c'est un oui puisque il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Puisque le chemin est le même. Par contre j'aurais aimé que le train puisse passer vraiment dans ces rails là. Alors qu'il passe pas. Il n'est pas compatible à cause des trucs de terre là qui vont le gêner. Du coup on pourra pas l'essayer. Je sais pas en plus si je peux faire un spawn, un work. Work. Carte. Je sais même pas si c'est ça. Workcart.entity. Entity. On va essayer. Non, ça n'a pas marché. Donc, driver. Non plus. Et fuel storage, c'est juste le petit truc. Donc on pourra pas faire spawn un petit train ici. Donc tant qu'on est là, je vais juste tester voir si le train va passer dans l'autre sens, pareil comme il a fait là-bas dans le tunnel. Non, ici par contre non, parce que je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Parce que la ligne n'est pas bien droite. Alors qu'ici il est passé. Là la ligne elle doit être bien droite, alors que là elle doit pas être bien en face. Elle doit avoir un petit décalage. Donc voilà, c'était un explicatif, voir si on pouvait ou non faire un circuit sur la Terre. Bon, c'est possible, donc voilà quoi. C'est bien dommage que le train là, le circuit là, je me suis fail sur le circuit là, parce que sinon on aurait test. Bien dommage. Bon, je vous dis à la prochaine.